c'est Emilator et Nio pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire le classement de la Ligue 1 avec Tiger Football. Salut tout le monde. On vous mettra son TikTok dans la description. C'est comment ça s'appelle? Tiger 65, en minuscule. Ouais. Voilà. Donc on vous le met juste ici. Donc, on a déjà fait une vidéo avec lui. Je vous rappelle, on avait reproduit les frappes de la SSO. On vous y met juste ici. Donc aujourd'hui, Samuel, tu vas être avec nous pour juger le classement de la Ligue 1, voilà. Voilà, et n'hésitez pas à noter dans les commentaires si vous voulez la partie 2 avec la Ligue 2, première Ligue, tout ça, voilà. La Ligue 2, ça va être bien, ouais, à mon avis. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche des notifications. Alors, c'est parti! Sur le site, voilà. T'es content, Samuel? Ouais, d'être avec vous. Donc, sur Vidéo Gourou, ça s'appelle. C'est pour. Ça a des tableaux, tu peux faire du montage dessus. Donc, on va y aller dessus. Donc, c'est parti, les gars. Ouais. Parti, on va commencer à juger le classement. Donc, comme vous voyez, ça fait de 1 à 20. Donc, les trois premiers, les deux premiers vont en Champions League. Le troisième va en Champions League, mais tour de qualification. Le quatrième va en Europa League, le cinquième va en Conference League. Et les quatre derniers, ça va en Ligue 2. Relégués en Ligue 2. Donc les gars, là on a tous les clubs sur votre droite, comme vous voyez. Bon, c'est parti. Nous allons commencer par le 20e. Donc Samuel, il n'y a pas trop de doute. Moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Angers direct. Le Stade d'Angers, même si là ils ont gagné il n'y a pas longtemps. Oui, ils peuvent. Mais quand même, je pense qu'ils vont être relégués l'année saison prochaine en espérant qu'ils se relèvent. Bah, au moins, ça fera un club qui va soutenir Saint-Etienne quand même. Quand même, ça fera un club équitable pour Saint-Etienne. Ouais. Alors, nous allons passer au 19e. Là, c'est un peu. On sait pas trop qui on va mettre. Franchement, je mettrais là ça à Ajaccio parce que ils sont pas très 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 forts. Ouais, ou les stacks 3 aussi peut-être. Mais ils ont eu un nouveau joueur, c'est Adil Rami, comme vous voyez. Il est trop fort, mais ils vont bientôt jouer là, je pense. En Marseille, je pense. Je pense pour moi là. Moi, je mettrais là ça à Ajaccio. C'est comme vous voulez, je pense que ça peut être Estac 3. Moi je pense que les stacks ils peuvent être plus haut. Allez, on met l'AC Ajaccio. Moi je mets l'AC Ajaccio. Je pense qu'ils vont finir la saison en perdant, je pense. Donc là on va les mettre 19e malheureusement. Je pense qu'ils vont finir la saison avec 23 points, un truc comme ça. Et là, Angers, ils vont finir la saison avec 17, je pense. Je pense que ça va être la pire saison de leur carrière en Ligue 1 pour eux. Parce que quand même, c'est pas énorme. Donc là, nous allons passer au 18e. Donc le 18e, Samuel, on va mettre les stacks, normalement, ouais. Je sais pas. Bah, j'ai un doute quand même avec Brest. Je pense que ça peut être Estac 3. Ouais, Estac 3, parce que je trouve en ce moment pas très très fort. Peut-être Brest. J'ai pas dit contre Clermont en plus. Ah, Brest, pour moi, ils sont plus forts que. Ah, je pense que Brest, il peut viser une 15e place pour l'instant. Ouais, donc on va voir. 3. On va mettre 3 déjà. Les stacks. Le nœud dans les commentaires si vous êtes d'accord. Et encore merci pour les 100 abonnés, les gars. Ouais, merci à vous. Les 107, du coup. Donc là, nous allons passer au 17e. C'est un vrai jugement. Là, je pourrais dire soit entre Strasbourg et Brest. Ouais. Pour moi, c'est comme vous pensez. Moi, je pense ça peut être Strasbourg. Ouais, parce que Strasbourg, l'année dernière, je sais pas. Moi, je pense qu'ils pourraient se maintenir à la 16e place. Au moins. 16e. Ah, c'est chaud quand même, vu qu'il y a les autres clubs. Et puis, je crois qu'ils sont un peu loin. Moi je mettrais Strasbourg. Pareil, Strasbourg. Ouais, Strasbourg ou Brest aussi, non? Là, Strasbourg quand même. Ok, Strasbourg, les gars, Strasbourg. Malheureusement, ils sont bien remontés en Ligue 1, tu vois. Ils se sont bien battus. Ils étaient en National, vous voyez, et ils sont remontés petit à petit jusqu'à la Ligue 1. C'est incroyable, mais je pense que cette saison n'a pas été incroyable pour eux.
Mais ils vont peut-être croire au maintien. Là, ils sont 17e aussi. Ouais. Donc là, j'espère que la saison va bien se passer. Voilà. Nous passons au 16e. Celui qui a un fil. Donc pour le 16e, je pense que ça c'est Auxerre. Ouais, Auxerre, parce que Auxerre, je trouve, ils ont fait une bonne saison, parce que quand même, ils le méritent de rester, parce que oui, bah, même s'ils ont battu Saint-Etienne en barrage la saison dernière, c'est malheureux, mais c'était bon. C'était un match quand même compliqué, et je pense qu'ils peuvent se maintenir, parce que quand même, ils ont des bons joueurs, ils ont des... Et je pense qu'ils peuvent bien finir la saison, je pense, cette année. Hein. Parce qu'ils ont ils peuvent se maintenir cette année. Alors, le 15e. Il n'y a pas de débat, c'est Brest. Ouais. C'est sûr. Brest. Même si Brest sont très très forts, je trouve. L'année dernière, ils ont fait une bonne saison. Ils ont fait 13e ou 12e. Ils auraient pu vider le top 10, mais là, cette année, on les trouve faibles, vous voyez, les gars. Même s'ils ont des bons joueurs, comme des anciens Stéphanois. Mais bon, je pense qu'ils vont se maintenir, ils vont essayer de se maintenir à la 15e place. Je pense qu'ils peuvent se maintenir. Là, ils sont 16e, je crois, encore. Mmh. Alors, là, je pense qu'on va être d'accord. Pour le 14e, c'est parti. Ça peut être Lorient. Non, Lorient, ils peuvent viser la 10e place quand même. Là, Sont 9e. Nantes, moi je dirais plus Nantes. Ouais, moi Nantes. Nantes. Ou Clermont. Je pense Montpellier, vu que. Mais Montpellier, là, ça serait une bonne série. Ouais, je pense que c'est une bonne série. Moi, à Montpellier, je peux les viser 11e. Ouais, ou 2e. 12e, 11e. Alors, moi je dirais plus Nantes quand même. Nantes, il reste sur une mauvaise saison quand même, Nantes. Hein. Ouais, c'est quand même. Même s'ils ont en finale la Coupe de France, je trouve. Ils gèrent que en Coupe de France en fait. Ils veulent tout donner sur la Coupe de France et ils visent pas le championnat. Et là, je pense pour le 13e. 16, je pense qu'on va être d'accord. Toulouse. Clermont. Ouais, Clermont. Clermont pour Toulouse. Ouais. Clermont. Clermont, même si c'est un super club, parce que tu vois, avec leur budget qu'ils ont, c'est le deuxième plus petit budget de Ligue 1. Ils ont quand même des bons joueurs. Quoi. Ils se débrouillent pas mal quand même au niveau financier. Voilà. Donc là, 12e. Toulouse. Moi, je dirais Toulouse parce que Toulouse, tu vois, je trouve qu'ils ont fait une bonne saison. En plus, l'année dernière, c'était en Ligue 2, ils ont fini premier. C'était super fort. Du coup, je pense qu'ils vont viser la 12e place. Alors, pour le 11e. Je pense, moi, ça. Je sais pas si vous êtes d'accord, c'est soit Reims, soit Montpellier. Moi, ouais, soit Reims, soit Montpellier. Vous pensez que. Moi, je pense plus Montpellier, moi, je mettrais. Ou Lorient. Non, Lorient, ils peuvent. Moi, je 10e place, Lorient, moi. Reims peut leur viser 9e, mais. Ouais, ah, moi, je mettrais Montpellier. Montpellier. Montpellier, ce sera. Et toi, j'hésite avec un autre club, mais je pense Montpellier. Avec qui? Avec Lorient quand même. Lorient? Moi je vois Lorient. Lorient, ils ont fait une bonne début de saison, mais là ils commencent à descendre, c'est vrai. Mais là, je crois qu'ils sont à 8e, 6e, 8e, 9e place. 9e place, je sais plus. Donc j'espère. Alors là, on est au mois d'avril 2022-2023, si vous posez la question. Donc là, nous allons passer au top 10. Donc c'est parti. Pour le top 10, là ça va être compliqué aussi parce qu'on a quand même des très très gros clubs. On va vous dire ce qu'il nous reste. Il nous reste Monaco, Lille, Paris, Saint-Germain, Nice, OGC Nice, Stade Rennais, Olympique Lyonnais, Reims, Stade de Reims, Marseille, Olympique de Marseille, RC Lens et FC Lorient. Alors moi je mettrais FC Lorient. Et c'est Lorient? Ouais, je trouve. Parce que Lorient. Je pense que, ouais, sur ce coup-là. Ouais, ou Reims, ou Reims. Non, Lorient. Reims, je pense qu'ils peuvent viser 9e place. Tu vois, Reims, plus ils ont un super entraîneur. Il paraît qu'il a. Il a fait qu'une défaite en 18 matchs, je crois, c'était. Ouais. Donc là, nous allons passer à la 9e place. Bon, là, il n'y a pas trop de débat. Bah, c'est Reims. C'est Reims. Bah, même si j'en fais une bonne deuxième c'est sûr que sur ce coup-là, c'est
Reims. Après là, ça va être compliqué à dire parce que là, le top 8. Là, moi, pour moi, le top 8, ça peut être entre Lyon. Non, quand même pas, je pense pas. OGC Nice et Lille. Moi, ouais. J'aurais plus Lyon en 7ème place, mais en 8ème. Nice, quand même. Nice, ouais, Nice, parce que. Moi, je trouve ils font une bonne composition en fin de saison, là, ils sont forts. Mais je pense qu'ils pourraient. Ouais, aller Nice. Nice, après Lyon, je pense. Là. Lyon après. C'est sûr que. Et non. Après, Lyon après. Même si Lyon, ils sont des. Ouais, ils ont des bons 7ème joueurs. Place pour ils Lyon. Les... Ils ont des bons joueurs comme Lacazette et tout. Là, pour moi, le. Là, celui qui a échoué à un point de l'Europe, à une place de l'Europe. Le top 6, là. Moi, je mets Lille. Je mets Lille. Moi, je mets Stade Rennais. Non, mais pour moi, je mettrais Lille et la 5ème place. Parce que Lille, ils sont trop. Ouais, t'as raison. Allez, Lille. Lille, alors, 6ème place. Pourtant, moi, j'aime bien Lille parce que, tu vois, ils ont des super bons joueurs et je trouve qu'ils sont. Ils ont des bons supporters quand même. Ils ont Cabella et tout. Problème technique. Brave, il y aura le montage. Donc 6ème place Lille. Donc là, 6ème place. Donc là, les places européennes, les 5. Premier. Alors, en conférence, qui c'est qu'on va mettre? Stade Rennais. Moi, ouais, Stade Rennais aussi. Ou Monaco. Non, Monaco, ils sont plus forts, je crois. Ils peuvent viser le top 3 ou top 4. Juste un problème, faut que je bip. Passe pas à Sportil. Ça va, on a un bon gars qui sait bien faire les montages. Lol. D'ailleurs. On est pas un peu petit là. Deux ans frais. Et voilà. Alors, pour la 4ème place, c'est parti. Ouais, je pensais Monaco parce que quand même c'est une des meilleures équipes qui perd presque plus maintenant. Bah, et puis ils peuvent jouer l'Europa League et quand même pas la Conference League, mais je pense pas qu'ils pourront jouer la Ligue des Champions. Ouais. Après on verra en fin de saison, mais ça. Ah, ça se peut qu'ils peuvent. Après là, Monaco j'aime beaucoup. Pour mon top 3. Moi, je mettrais Marseille. Ouais, non. Qu'est-ce que vous... Moi, je mettrais Lens. Non. Moi pas. Parce que Lens, il peut... Tu vois, ils sont pas très loin de... De Paris, ils auront... 7 points d'écart. 6 ou 7 points d'écart. Même si ils ont perdu 3-1 contre Paris la dernière fois. Mais je pense ils peuvent viser... Le top 1. Ouais, le top 1. Donc, je pense qu'on mettrait Marseille, moi. Même si Marseille, ça reste un très gros club et ils feront les qualifications de la Champions League. Donc tous les trois ils seront Champions League de toute façon. Désolé pour les Marseillais. Et là le deuxième. Alors les gars, le deuxième c'est très en groupe là. Je pense qu'on peut pas se rater, mais pour moi peut-être on partirait sur le PSG. Ouais, moi je pense partirait sur Lens. Moi, je suis parce que ça va être dur d'aller chercher quand même. Non. Là, en plus, sur cette saison, Lens et le PSG, ils sont en concurrence. Non, ça va, 7 points. Le PSG, ils vont affronter des gros clubs. Ils vont affronter Monaco. Et peut-être que Lens, ils peuvent revenir parce que eux, Lens, ils affrontent que les équipes du bas de tableau. Par exemple, Auxerre, Brest. Donc, les gars, c'est compliqué à dire, mais. Je pense que pour moi, Paris. Paris en deuxième, je dirais. Paris en deuxième, moi je pense parce que, les gars, vous pensez, cette année, moi je trouve Paris, ils ont pas été hyper forts, même s'ils sont premiers, ouais. Mais bon, vous voyez, ils ont perdu deux fois d'affilée, ils ont souffert face à plein d'équipes. Je crois il y a pas une équipe où ils ont pas galéré parce que quand même il y a des moments où ils étaient tu vois dans la mer, voilà. dans les galères. Voilà. Ouais. Donc moi je pense Lens, ils peuvent gagner leur deuxième trophée Ligue 1 parce que je pense Lens ils peuvent le faire.
Parce qu'ils ont des bons joueurs, genre Openda, Fofana. Même mais si ouais, eux, ils ont Neymar, Mbappé et tout ça. En plus, ils le méritent, je trouve. Et je trouve pas Neymar, Mbappé et tout ça, ils font un bon trio de choc. Parce que je trouve que quand ils sont tous les trois, ils n'arrivent pas à gérer tous les trois, en fait. Moi, je trouve Mendes fait bien le boulot au milieu de terrain. Mais donc, moi, je partirai sur Lens premier et Paris deuxième. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais, on va essayer d'y croire jusqu'au bout. Parce que... Mais j'espère que Lens vont gagner. Parce que même si Paris, ils peuvent y arriver. Les gars, est-ce que vous pensez que le tableau, il est bien? Donc on va retirer le classement. Alors, 20e, le SCO d'Angers. Qui part en Ligue de BKT. Le SCO d'Angers. Le 19e aussi, qui part en Ligue de BKT. Ajaccio. Les Stade 3, en Ligue de BKT. Et Strasbourg en Ligue 2 BKT. Après, ceux qui se seront manut mais qui joueront rien. Auxerre 16e, 15e. Brest 15e. 14e. Nantes. Qui vont faire la Coupe de France contre Toulouse. 13e. 13e. Clermont Foot. Après, 12e. Toulouse qui vont faire contre Nantes. 11e. Montpellier. Et le top 10 maintenant, Lorient 10e. 9e, Reims. 8. 8e, OGC Nice. 7. Olympique Lyonnais. 6. LOSC. Après, les places européennes. L'Europa Conference League. Rennes. Rennes. En Europa League. Monaco. En Champions League. Qualification. Et en Champions League. Paris, 2e. 1er. Lens. Voilà. Donc les gars, on va se retrouver tout à l'heure, j'espère que... Dites-nous dans les commentaires si ça vous va. Moi je pense que Lens, ils peuvent le faire. Oui. Les gars, ils peuvent le faire. Dites-nous si vous êtes d'accord en commentaire. Et n'hésitez pas à nous dire si la deuxième partie du tableau vous correspond. Ou est-ce que vous aurez mis Ajaccio plus haut ou Strasbourg plus haut. Donc on se retrouve tout à l'heure pour... À de suite. L'autre. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Super, c'est vrai que Taylor, ça t'a plu. J'ai bien aimé, même pendant la vidéo, il y a eu des débats très compliqués avec certains clubs. On te mettra ton TikTok dans la description, on vous le met juste ici, c'est Taylor65, t'as combien d'abonnés déjà? 21 abonnés. C'est déjà pas mal. Pour un début. Il va bientôt sortir sa chaîne YouTube aussi, Taylor Football. Voilà. Bon, on vous le mettra aussi en description, mais elle ne sera pas encore sortie. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche des notifications. Et si vous voulez commenter, partager, et sinon, on vous met le Twitch, le Discord et le Slack. Et dites-nous si vous voulez une partie 2 ou une partie 3 avec Ligue 2, Première Ligue, Bundesliga, Liga, tout ce que vous voulez. Et merci pour les 100 abonnés, les gars. Ça fait très plaisir. Le clip sortira normalement dans les prochaines semaines. Alors, ciao les poupées. Ciao.